Bonjour à tous, salut salut. Eh, je vous ai manqué. Alors attendez, on va laisser le son de ça. Bonjour à tous, bien le bonjour sur ce live. Ah, je suis toujours dans le mood de Bercy. Bonjour. Ah, Pia, l'erreur. Bonjour. Je suis complètement saturé, hein. ça va faire le point. Voilà, bien bonjour. On va couper ça deux petites secondes. Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va se mettre en position un peu chill. Je suis debout là, je suis chaud. Je suis rentré de Paris aujourd'hui. Évidemment, c'était incroyable. Ce qui s'est passé, c'était incroyable. On va s'asseoir. On va s'asseoir tout de suite. Regardez, l'ascenseur. Ah, on va se mettre en mode détente. Voilà, ça descend tranquillement. Bonjour. Bonjour. Et comment ça va? Salut à tous. Salut. Trop content de revenir sur Twitch. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Les gars, faut qu'on parle de ce qui vient de se passer, là. Bonjour. Attendez, on va baisser ça. C'était bien placé, c'est plus bien placé. Voilà, et on va discuter un peu de ce week-end de fou, là. C'était trop dingue. C'était incroyable. C'est une dinguerie, j'ai pas d'autres mots. Je suis complètement dégueulasse à l'image. Je sais pas pourquoi. Putain, j'ai plus de voix en plus. Ça s'entend à crever, je suis sûr. Ah, l'éclairage. Ok, l'éclairage s'est recassé la gueule. C'est pas grave, ça a l'air d'un petit peu mieux. Donc voilà, donc bien le bonjour. Alors franchement, les gars, on va revenir sur cet événement, puis on ira jouer à Traconia. Parce que ça m'a donné trop envie d'y jouer, là, clairement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il s'est passé hier, si vous ne savez pas, vous vivez dans une grotte, tout simplement. Hier, c'était l'accomplissement de 10 ans, c'était la Trackmania Cup de Zerator, c'était à Bercy. C'était trop cool. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, attendez, je vais juste un petit peu diminuer ça, parce que c'est complètement saturé. Hop, voilà. Donc, pour remettre les choses un peu dans le contexte, c'était il y a 3 ans, j'avais embarqué un de mes potes, je retirais ça aussi, il fait trop chaud. J'avais embarqué un de mes potes, Nono30, bonjour. Je me rappelle, donc j'avais entendu parler, je regardais Zerator aussi, puis... Oui, Trackmania Cup, blablabla, je dis c'est quoi ce truc, Trackmania Cup, parce que c'est vraiment intéressant, voilà. J'ai évidemment été sur Internet, j'ai regardé Twitch, et je suis tombé donc sur cette fameuse Trackmania Cup. Eh ben les gars, si j'avais su dans quoi je m'embarquais, donc Trackmania Cup, je découvre la compète, c'était un truc de fou furieux franchement, et c'était l'année de Strasbourg, et à Strasbourg, qu'est-ce qui se passe? Bah à Strasbourg... je me dis bah let's go, je propose à Nono etc. s'il est chaud d'aller voir la cup, et puis on est parti tous les deux, let's go, direction tous les trois, parce que son frère est venu avec, direction Strasbourg. c'est horrible, ne faites pas de live le lendemain de la Trackmania Cup, c'est pas conseillé. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe, on part à Strasbourg, le show se passe, c'est un truc de fou furieux, c'était génial. Et à la fin du show, évidemment, Zerator qui arrive et qui fait « Ouais, nanana, Bercy l'année prochaine !» Folie, je prends mes places directement, j'ai mes places, ça fait 3 ans que j'ai les places, voilà. Et évidemment, bah, le Covid est arrivé, donc on a attendu 3 ans. Et hier, c'était l'accomplissement. Hier, c'était une dinguerie, donc je raconte un petit peu ma journée. Donc on est parti, donc moi je suis du côté de Liège, en Belgique. Et on est parti de Belgique, il était 5h du mat. Ouais, on est parti donc 4h30 debout, 4h40 parti, et il était 5h du mat que j'étais chez QuarkSize, parce que QuarkSize est venu avec. On va se mettre un peu de musique là, hein, parce que c'est trop calme. On va se mettre un petit peu de son. Attendez que je règle tout ça. Tac, tac. Hop, la musique. Peut-être pas cette musique-là, parce que cette musique-là est soumise à droit d'auteur. Voilà, on va plutôt se mettre ça, voilà. Petite musique un petit peu chill, je vais juste baisser un peu le son de la musique, parce que je pense qu'il est un peu trop fort, voilà. On va se mettre comme ça, tranquillement. Donc voilà, on est parti.
petite musique. Donc voilà, donc c'était intense. Donc parti à 5h du matin de Belgique. Donc on prend le café, les trucs, les tchats. On est en route. Et c'était franchement incroyable. C'était génial. Parce que on a eu. Donc j'arrive vers. Il était quoi, 9h? Ouais, 9h, on arrive sur Paris. On se fait notre petit tour. Donc on se fait. On dormait du côté du Trocadéro. Et on se fait le troca, déjà pour commencer, hein, donc incroyable, on est hyper motivé. On se fait le troca Notre-Dame à pied. Donc ça, déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est chiant, ça. Ouais, ça c'est déjà un petit peu mieux. Tranquille, là. Impeccable. Et donc, on se fait Notre-Dame. On va voir Notre-Dame. Donc, parce qu'en fait, en Belgique... Comme tout le monde, bah évidemment on a vu l'accident, etc. Moi j'étais déjà venu à Paris. Je suis venu à Paris 3 mois après que Notre-Dame ait cramé. Hein. Donc incroyable. C'était prévu depuis des mois. Et bah voilà, manque de bol. Quand je vais à Paris, Notre-Dame a cramé, c'est super. D'ailleurs, il y a toujours la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller la voir. Et donc voilà, donc on est parti. On se fait notre petit tour. On va se manger un burger de fou furieux. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, laissez-moi faire mes petits réglages. Voilà, on va se mettre comme ça, on va sortir. Parce qu'évidemment, je n'ai pas, l'erreur de débutant, je n'ai pas préparé de fenêtre navigateur. Donc on va se faire ça tout de suite. Donc chat, attendez. Hein. Capture de fenêtre, oui. Ajouter une source, évidemment. Voilà, hop, voilà. Alors, allô, la capture de fenêtre. Hop. Voilà, bon, c'est un peu grand. C'est un peu grand. Je t'ai pas dit de te remettre sur play, toi. Chut, tais-toi. Alors, je règle ça, j'arrive. Hop, voilà. Ça arrive. Ah bah si, j'avais déjà mis une capture de fenêtre, en fait. J'avais déjà mis une capture de fenêtre. Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Pourquoi ma webcam a disparu? Ça bug complètement, c'est incroyable. C'est de la merde, j'ai fait de la merde, c'est super. Ah, c'est la reprise des lives, hein, là, ça se voit, ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça. Hop, voilà, remets-toi là. Impeccable. Et donc, pour revenir où j'en étais, si ça veut évidemment bien se placer. Ok. Donc ça, c'est déjà pas le bon format, je sais pas pourquoi. C'est génial, ça veut pas se mettre comme il faut. Ah si, voilà. Là, on est plus ou moins bon. Hop, comme ça. Génial! Voilà, on a quelque chose de qualité aujourd'hui, c'est super. Et donc, pour vous montrer, hop. Donc, on part tranquillou. Voyons voir. Donc Paris, voilà. Donc nous on logeait dans le 16e, parce qu'on nous hébergeait, donc gros big up à toi, parisienne de son surnom, gros big up. Et donc on dormait dans le 16e. Et alors on a fait donc tout simplement la tour Eiffel, donc ici le Troca. On était jusque Notre-Dame de Paris, d'ailleurs je voudrais bien regarder un coup combien ça fait en kilomètres, parce qu'on a marché bien plus de 20 km en 2 jours. Moi j'adore marcher, donc évidemment je trotte. La musique est bonne pour vous d'ailleurs, parce que moi j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu faible. Je regarde. La musique est bonne pour vous d'ailleurs, parce que... Ouais, non, ça, franchement, ça va. Et donc, j'ai demandé Paris. Donc on est parti du Troca. Donc le Trocadéro, on est parti d'ici. Et on a fait toute la Seine à pied. Enfin, pas tout à fait toute la Seine. Donc je vais juste regarder un coup combien on a marché. Donc on est descendu sur les quais ici. Voilà, on a fait tout ça. On a été bloqué là-bas. Donc tac, tac, tac. Donc on est remonté ici. On va mettre la ligne droite. On a marché tout ça, donc on est passé là, on a traversé ici,
On est redescendu là. Alors ici, terrible. Parce que ça je pense que ça n'arrive que parce que déjà parce qu'on est très sympa. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? J'étais mort de rire. Franchement, c'était excellent. On se pointe à Paris. Il est 10h du mat. On passe sur le quai, juste là. On discute. Et puis d'un seul coup, il y a un mec qui nous arrête et qui fait « Ouais, chaud les Belges !» On se retourne. Quoi? Oui, vous êtes Belges. Je dis, ça s'entend à ce point-là, notre accent. Ah ouais, non, c'est sûr, vous êtes Belges, les gars. Hein, donc... Commence un petit peu à discuter. Ah, vous venez d'où? Ah, bon, on vient du côté de Liège, tout ça. On est parti à 5h du matin. On a fait 3h de route. On vient à Bercy pour voir la Trackmania Cup, etc. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, pas mal, trop cool. Le gars, il commence à nous raconter sa vie. Il explique comme quoi il adore les frites belges et compagnie. De toute façon, tout le monde le sait que nos frites, c'est les meilleures. On va pas se mentir. Et donc, voilà, on discute un petit peu, tout ça, tout le tralala, il me check une vingtaine de fois, et puis on est reparti. Là, trotte, on arrive à ce niveau-là, on monte les escaliers, et puis bah, avec Quarkseye, on est motivé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, sur les Champs-Élysées, et on se fait une petite balade, parce que évidemment, il n'avait pas, enfin, je dis évidemment, mais... Il n'a pas l'habitude Quarkseye de Paris, parce que moi je suis bienvenu, je calcule même plus une dizaine de fois à Paris. Je pense que Paris, au niveau de mes stades de visite, je suis à une visite par tous les 2 ans. Tous les 2 ans, je viens à Paris environ, pour des raisons diverses et variées, soit c'était pour le boulot, soit pour l'école, pas avec l'école, ou soit c'était juste pour le plaisir, ou comme bah, justement hier avec la Trackmania Cup. Donc voilà, on s'est fait notre petit tour tranquille, donc on a été jusqu'ici, ouais. Et après, on a continué notre petite balade. Donc on a traversé là, on a fait ça. La passerelle des arts, évidemment, qui est un incontournable. Et on est descendu sur la Seine, de nouveau. Donc hop, on continue notre petit bout de chemin. Alors ici, évidemment, il y avait un truc en travaux, parce que... On voulait voir l'état de Notre-Dame, en fait. Parce que Notre-Dame, nous, on ne l'a pas vu. C'est le truc des échafaudages. Où elle était déjà... Ah ouais, non, elle était déjà en morceaux, là. Non, elle était toujours debout. Lorsqu'ils ont pris la photo, elle était toujours debout. Incroyable. Donc voilà, on se promène tranquillement. Et puis, bah, on arrive, du coup, devant Notre-Dame. Alors, j'ai calculé, on avait déjà bien croisé. Juste en faisant ce trajet-là, on avait croisé environ... Ils étaient combien? Ils étaient quoi, 10? On a croisé au moins 15 personnes déjà qui venaient à Bercy. Donc c'était trop bien. Franchement, c'était beaucoup trop cool. Et donc voilà, donc nous on arrive et on veut voir un petit peu Notre-Dame. Ah ouais, non. Ah mince. Oh, donc le toit avait déjà brûlé. Autant pour moi. Le toit avait déjà brûlé. Ah ouais, c'est impressionnant avec les échafaudages. Donc moi, le jour où je suis venu en fait à Paris, il y a 2 ans, ben voilà, j'ai vu ça en fait. J'ai vu les échafaudages dans les taxis, c'était la cata. D'ailleurs, attendez, parce que ça se trouve, le hasard serait incroyable que le bateau école soit là. Moi, je pense pas que les images de ce jour-là, ce serait incroyable sinon. Eh bien non, évidemment, non, le bateau école n'est pas là, parce que j'étais venu avec l'école la dernière fois. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour retirer les échafaudages, mais c'était très 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 impressionnant. Et donc évidemment, voilà, on a eu... on a été voir Notre-Dame, dévastée. Et puis après, hop, traverse ici. Petite traversée par le parc, là. Donc le long de l'église, tranquillement. Voilà. Pépouze. Hop. On traverse tout le quartier ici, qui est superbe. Franchement, si vous voulez aller à Paris, allez visiter le quartier. Et du coup, on arrive ici. Et là, les gars, il y a un restaurant. C'est une dinguerie. Il est juste là. Voilà. Ici, là. Les gars, franchement, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez manger dans ce restaurant. Ce truc, ça défonce. C'est un restaurant de burgers. D'ailleurs, je ne sais pas si... sur Google Maps, je ne peux pas... Sur Google Earth, je ne peux pas avoir les infos. Il faut que je retourne sur Maps. Mais c'est franchement, si vous connaissez pas, vous y allez tout de suite. Genre, vous êtes sur Paris, vous connaissez pas, vous allez manger là-bas. Parce que moi, j'y retournerai.
C'est le. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Est-ce que je suis dans le bon quartier? Notre-Dame, le parc est là. C'est là quelque part. Ah voilà, le Rosie Smokerhouse Barbecue. Oh, c'est une. Franchement, les gars. Si vous ne savez pas ce que c'est un bon burger, franchement, allez manger là-bas. C'est une tuerie. Leur burger, c'est. Enfin, genre, regardez, voilà. Comment ça peut pas vous donner envie de manger ça? Allez. Franchement, c'était trop bon. Voilà, endroit hyper cool, atypique, vraiment de chouettes commentaires. Franchement, pour aller boire un verre ou pour autre chose, allez-y. Franchement, allez-y, ça en vaut trop la peine. Donc voilà, donc une bonne petite adresse. Donc on avait été là-bas avec Quark. Et puis, tout simplement, on est reparti, on a refait notre petit tour. Et de là, en fait, on a repris le métro et on est retourné dans le 16e pour aller déposer nos affaires. D'ailleurs, le parking où j'étais garé, donc j'avais pris le parking pour le week-end. C'était quel parking? Je m'en fous, je peux vous le dire. Je vous montrerai juste où j'ai dormi parce que bah, je veux pas spoiler. Je veux pas indiquer l'endroit de notre hôte, hein, parce que bon, c'est sa vie privée. Donc nous, le parking, il était... Donc attendez, le troca est là, tatata, il était là. Ici, là, il y a un parking ici. Je sais pas pourquoi je le vois pas. Ah, voilà, ici. Donc, ce parking-là. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Franchement, les gars, j'ai découvert les Zen Park. Je ne sais pas du tout, parce que bah, je suis pas de Paris, évidemment. Mais l'idée est bonne. Mais franchement, faut avoir son téléphone avec soi tout le temps. Votre téléphone, il peut pas tomber en panne. Vous devez avoir l'application pour entrer le code. Parce que... Je pense que le rose là, j'aime pas du tout. Je vais repasser ça en bleu. Ouais, comme ça. Parce que j'avais une tête rose, j'aime pas trop ça, et je vais repousser à fond. Voilà. Et donc oui, on était là-bas. Donc vous devez avoir votre application tout le temps avec vous. Tout le temps. Si vous n'avez pas l'application, vous savez pas rentrer dans le parking, vous savez pas sortir, vous savez pas rentrer. Bon, rentrer, je peux comprendre, mais entrer, ne serait-ce qu'en piéton, vous pouvez pas y avoir accès. Donc l'appli est plutôt pas mal, hein. Vous arrivez, vous appuyez sur l'application, hop, la porte s'ouvre, vous rentrez, vous faites vos petites affaires, vous allez chercher votre sac ou quoi, et puis vous ressortez, mais il faut toujours avoir l'application. Et tout à l'heure, quand on est rentré, d'ailleurs, on arrive à la sortie, donc la sortie, je vais mettre Earth, donc la sortie, ouais, la sortie est là en fait, donc le parking s'étend là en dessous, la sortie elle est juste là. Et franchement, on arrive au niveau de la porte et j'ai plus d'internet. Donc la porte ne veut pas s'ouvrir. Je suis bloqué dans le parking. Donc autant dire, c'est la merde. Mais on finit quand bien même, on attend que le téléphone, comme on arrivait au-dessus, on a attendu que le téléphone récupère du réseau, tout ça. Et puis on est passé, donc ça c'était nickel. Pour ça c'était cool. Donc on vient ici, alors évidemment, et Nono, c'est à toi que je parle. Arnaud, parce que maintenant les pseudos, on s'en fout un petit peu. Arnaud, c'est à toi que je parle. La prochaine fois, on ne reviendra pas avec deux casiers de Jupiler. Parce que, en fait, comme une amie, en fait, c'est une amie à Arnaud qui nous hébergeait. Et comme elle était très sympa, et que j'avais déjà rencontré et tout ça, et qu'elle était vraiment beaucoup trop sympa, beaucoup trop cool, bah. On voulait lui offrir des bières et compagnie de Belgique parce que bah, elle aime bien l'alcool et compagnie et du coup on voulait lui offrir des bières un peu spéciales et ça. Et puis un peu avant que j'aille chercher les bières spéciales et compagnie, il y a Arnaud qui m'appelle et qui me dit oui, va un peu chercher deux casiers de bières de Jupiler, tout ça, je te rembourserai. Je dis ouais, mais les bières spéciales plus tout ça, nan, je dis ça va être un peu l'exage. Donc il me dit, on s'en fout, prends juste les deux casiers de jupe. Donc on a traversé tout le 16e, parce qu'évidemment le parking n'était pas juste à côté de chez elle. On a traversé tout le 16e avec deux casiers de Jupiler, en plus de nos sacs de couchage et compagnie, parce qu'évidemment on a dû prendre du matériel avec nous, parce qu'elle nous hébergeait, mais il n'y avait pas assez de lits pour nous, donc on a dû faire avec. Donc voilà. Mais ça s'est bien passé, c'était marrant. Et donc, une fois qu'on était bon, qu'on avait toutes nos affaires et compagnie, on est reparti direction donc l'Accor Arena qui est. Attendez, qui est là, voilà, Bercy, donc l'Accor Arena. D'ailleurs, ça a changé, hein, c'est plus ça. Donc, on était à l'Accor Arena
hop, cette dinguerie. D'ailleurs, ça fait trop bizarre. Parce que là, du coup, il n'y a pas d'événement. Donc, en gros, là, c'est vide, là. Mais il faut savoir que c'était noir de monde. C'était une tuerie. Alors, j'ai vu aussi beaucoup de trucs sur Twitter qui étaient très drôles. C'était à Brasserie des Glaces, en fait. Tous ceux qui sont venus en avance à Bercy, ils se sont mis là. Ils ont bu des coups ensemble, etc. En attendant Zera, c'était plutôt cool. En attendant que ça ouvre. Et donc, on est... Nous, on est arrivés par là-bas, je pense. Il y a une station de métro par là-bas. Attendez. Il y a une petite rue. Voilà, nous, on est arrivés par là. Par là, c'est parce qu'il y a une station de métro là-derrière. Et puis, on traverse ici. Et genre, il y avait une file qui allait là-bas, tout au bout, là. Tout au bout, là-bas. C'était incroyable. Et du coup, on arrive, tranquillement. Et les gardes, on venait de s'insérer ici dans la file. Et ils mettent une banderole en mode « Vous passez pas ». Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe en dessous. Donc, on a grugé toute la file. Et on arrive. Donc, ça faisait la file ici, jusque-là. Et puis, on rentrait. Et alors, on est rentré, etc. Et on est rentré dans Bercy. Il y avait une ambiance, les gars. C'était incroyable. C'était génial. Ce qu'on a vécu là, c'était insane. C'était insane. J'oublierai jamais. Donc, ça, c'était... Mais je m'en fous du parking. C'était tout bonnement incroyable. Le fait d'être à Bercy, qu'on avait 3 ans, qu'on a gardé 3 ans les places, c'était incroyable. Et donc, une fois qu'on est rentré dans Bercy, parce qu'on était là-bas, il était 16h20, donc on a attendu un petit peu. Mais l'ambiance était incroyable. Donc on arrive, il fait chaud, on est content qu'il y a la clim, parce que je rappelle qu'à Strasbourg, il n'y avait pas la clim. C'était une horreur. On avait trop chaud. C'était une catastrophe. Et du coup, on arrive là, tranquille, dans Bercy. Et là, les amis, on a le chauffeur... Donc on a Zerator qui nous explique comme ça, tranquillement. Attends, je vais couper la musique. T'as vu la musique ? Voilà. Donc Zerator qui nous explique... qui nous explique un petit peu... Enfin, on a une rediffusion un petit peu... de ce qui se passe. Je pense que, bah oui, vous l'avez vu en live, ou du coup. Donc nous, on est en train de discuter, puis on a ça qui apparaît sur les écrans, donc on dit, waouh, trop bien, c'est génial, on a de quoi patienter. Et, sans crier gare, il y a de la musique qui change. La musique commence à changer, etc. Et puis en fait, on remarque que sur scène, il y a Vexento. Donc c'est le feu, quoi. Vexento qui monte sur scène, qui nous fait le show. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable parce qu'on s'y attendait pas du tout. Donc la salle commence à s'ambiancer. Et là, on n'est même pas encore tous là dans la salle. C'est vraiment ceux qui étaient ponctuels, qui voulaient être là le plus tôt possible pour pas avoir d'emmerde, etc. Donc il était là. Donc c'était trop cool. Voilà, l'ambiance a commencé à y aller. C'était beaucoup trop cool. D'ailleurs. C'était génial. Franchement, c'était beaucoup trop cool. Donc voilà, Vexento fait son petit show. Il fait son petit show. C'était vraiment incroyable. C'était trop cool. Donc la salle se chauffe, l'ambiance et compagnie. Voilà, avec fromage. C'était génial. Les gens arrivaient au fur et à mesure. Et puis alors, il y a eu cette dinguerie. Franchement, je me remets en mode live. Attendez, parce que là... Alors je sais, je l'ai mis au début de live, hein, mais... Franchement, j'ai pas les mots, quoi. Donc on est là et puis d'un seul coup, les lumières s'éteignent et on a ça. Cette intro est la meilleure intro que j'ai vue. Genre, j'ai adoré Strasbourg, mais celle-là, les amis. Oh putain. Oh là 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 là. Cette intro, je m'en rappellerai toute ma vie. Je vous laisse en profiter. Je reviens après.
Ouais, non, c'était incroyable. Puis surtout cette intro, parce qu'en fait, nous, le truc, c'est que nous, on est dans la salle, donc en fait, on voit pas ce que vous voyez. Et on découvre cette intro qui est géniale, mais nous, dans notre tête, on est en mode, ouais, il y a ça, mais qu'est-ce que les gens, eux, ils voient chez eux? Et quand on est rentré avec QuarkSide, on a été regarder le live, on a vu ça, et on a fait, ah, c'est génial, parce qu'en fait, nous, dans notre tête, on avait l'impression que vous ne voyez que cette partie-là, en fait. Dans notre tête, pour nous, c'était ça que vous voyez. C'était pas le stade, etc. L'intro, dans notre tête, vous l'aviez pas vu, alors que si, donc c'est ça qui est génial, parce que ça me donne toujours autant de frissons. Donc là, le petit récap des qualifs, etc. Et puis, on arrive au fameux truc de Paris. Alors ça, je me demande comment ils font. Je pense que ouais, tout est en 3D, mais c'est hyper bien fait avec des cactus partout. Il avait dit, hein, Zerator, que le thème, c'était l'espace cette année. Donc on est parti là-dessus. Et franchement, le Zeppelin qui apparaît, tout le monde gueule. Ouais, c'est génial, c'est trop cool. Il y avait une ambiance de fou furieux, les gens se chauffaient. Les gens se chauffaient au début, c'était beaucoup trop bien. Et puis on a eu ça. Voilà. La scène qui apparaît. Moi j'étais en dessous de la caméra, donc là où on est, moi j'étais de ce côté-là. Ouais, derrière ma caméra. Et on a vu la forme de Zerator. Là, on était en mode, ah oh, putain, Yazera. Et puis il arrive là. Il arrive là et il chauffe, quoi. Il y va, il cause. C'était génial. C'était génial. Franchement, si je pouvais faire un souhait là, si je pouvais faire un seul souhait, c'est d'oublier la Trackmania Cup et de pouvoir remonter le temps pour retourner la voir. Parce que celle-là, elle était incroyable. Elle était beaucoup trop bien. Elle était beaucoup trop bien. Donc il y a eu cette partie-là qui était géniale, l'arrivée 1-1, puis il y a eu les joueurs, la première demi-finale qui se passe. Alors un truc, par contre, je sais pas si je peux, je sais pas si je peux avoir une vue globale. Voilà, parfait, parfait. Donc ça c'est génial. Bon évidemment c'est sur pause donc c'est un peu chiant. Donc nous en fait on est juste là, on va dire. Donc dans les gradins qui remontent, on est juste ici. Donc il y a la ligne de gens, puis ouais nous on est dans le coin ici. Donc franchement on voyait bien, on voyait vraiment bien. Et voilà, le seul truc un petit peu que, donc nous, évidemment, dans la salle, il y a l'ambiance. Donc l'ambiance, c'est juste beaucoup trop cool. T'as toute cette ambiance autour, que les gens claquent des mains. C'est incroyable, c'est indescriptible, parce que les gens se chauffent, clapent des mains, ils crient, ils font des holas. Donc tout, franchement, c'est génial. Mais au niveau du live, vous voyez peut-être un petit peu plus de trucs que nous, parce que nous, il y a des choses, évidemment, qu'on a loupées, parce qu'on voit ça sur écran géant. L'ambiance étant donné qu'on n'a pas toujours entendu ce que racontaient les joueurs. Donc c'est toujours ça qui est un petit peu bien, enfin qui est bien, c'est qu'une fois qu'on est rentré chez nous, on peut regarder le live, voir un petit peu ce que les gens ont raconté. Parce que quand on est là-bas, c'est pas toujours évident de comprendre, parce que dès que quelqu'un commence à parler, qu'il y a les supporters, ça commence à gueuler, etc. Donc c'était vraiment le top. Donc il avait fait son petit tour, etc. À mon avis, vous avez sûrement regardé, c'était vraiment chouette. Et donc il commence les matchs, et bon, alors, la première game était relativement sympa, sauf évidemment cette partie-ci qui était très drôle parce que ça, ils l'ont fait au joystick. Ils l'ont fait avec un joystick d'avion. C'était beaucoup trop drôle. C'était beaucoup trop drôle. Surtout sur place parce que tout le monde rigolait, tout le monde était en mode ah non, t'as raté la sortie, c'est nul. Et, on se tapait vraiment des barres. Et puis, évidemment, il y a eu la qualification. Attendez, la qualification, donc ouais, c'est un petit peu avant. Donc voilà, ils sont qualifiés. Ici, c'était incroyable parce que l'ambiance était folle. Donc voilà, vous l'entendez, wow, comme ça, on était hyper chaud. Voilà, et là, franchement, on regarde, on est vraiment au taquet de se dire est-ce qu'il va passer, est-ce que ça va aller. Là, vous l'entendez, hein. Là, on gueule quoi. Yeah, s'ils l'ont fait. Enfin, l'ambiance était géniale. L'ambiance était incroyable. Et ça, vous voyez par exemple, ça, on le voit pas. Parce qu'au moment où ils gagnent, on est tous en train de sauter, de gueuler, on regarde la scène et on regarde pas spécialement les écrans géants. Donc, ça, en fait, je le découvre. Je l'ai vu en live, mais je le découvre. C'est des points de vue que j'ai pas fait attention. Parce que nous, on avait plutôt tendance à regarder les joueurs. Et donc, le match se passait, on regardait les écrans. Mais quand c'était fini, on regardait la scène et un petit peu de temps en temps. Enfin, moi, je jonglais entre les deux. Parce qu'on était fort près de la scène. Donc, nous, on pouvait se permettre
de jongler comme ça. C'était cool, c'était vraiment chouette. L'ambiance était juste géniale. On était trop contents. Et alors, évidemment, après, il y a eu le match de Fou Furieux. Donc, Snow et Glace, et Acid, Yannex qui se qualifient. C'était incroyable. L'ambiance était folle. Et puis arrive le match suivant avec, évidemment, Carl Junior et Bren. Alors, écoutez le bruit quand ils arrivent. Attendez, je mets le son. Écoutez le bruit. Aujourd'hui, sur cette demi-finale, j'en parlais tout à l'heure avec Otak et Wozil, c'est quand même un très gros niveau. Ouais, là, ils discutent un peu, mais écoutez le bruit. Il y a deux duos qui ça va être une tuerie incroyable. Comment vous appréhendez ce match de votre côté? Ouais, c'est... Dans un match, tout le meilleur. Courage pour votre qualification. Écoutez. Mesdames et messieurs, je vais passer au dernier duo de cette demi-finale. La salle s'enflamme. Bon. La Solari et la K-Corp unis dans un même but à la Trackmania Cup. Oh, 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 attendez. On peut nous voir? On peut nous voir là? Nous, on est là. Attendez. Nous, nous sommes ici. Attendez. Parce que j'avais pas vu la transversale, mais on est là, nous. T-shirt blanc, tout ça, on descend un petit peu. Nous, on est là, quelque part. Ouais, c'est ça, drapeau belge. On avait pris notre drapeau avec. Donc nous, on est juste là. On récap un petit peu, évidemment. On va voir s'il n'y a pas moyen de nous cramer. Mais évidemment... La Solari et la K-Corp. Voilà, nous, en fait, on est juste là, ici, dans cette zone-là. Donc on était trop bien mis. On était là. Alors, seul truc, en fait, c'est que... ce qui était gênant, c'est qu'en fait, au lieu d'être comme ça... Enfin, nous, on était comme ça, mais la scène, elle était là. Donc, c'était un petit peu emmerdant parce qu'on a dû se mettre en torticolis. Et alors, on a eu un truc, les gars. J'ai adoré. Hein. Bercy, j'ai adoré. Franchement, Zera, si tu refais Bercy, je prends mes places tout de suite. Je reviens. Je sais pas pour quel événement, mais je reviens. Bon, après, il faut que l'événement m'intéresse parce que je vais pas... Il y a des événements comme Age of Empire. J'aime pas ça. Donc, j'irai pas voir Age of Empire. Mais il y a un truc. Une dinguerie. C'est la place des sièges. J'en parle comme ça en mode oh, hein, mais les gars, on a eu le coup où en fait, donc ça c'est nos jambes si vous voulez, on est assis. Et en fait les sièges de devant ils étaient là, voilà. Donc en gros, nos jambes on touchait beaucoup trop, on savait pas être comme ça. Il fallait toujours qu'on soit comme ça ou de travers. Les sièges étaient trop petits, on était les seuls, je suis quasiment sûr les seuls de la salle à avoir eu ce problème là. D'ailleurs, je vais poser un coup la question sur Twitter. Tiens, je vais regarder un coup. On va le tweeter. Je vais tweeter un coup. On va voir si j'ai des réponses. Je vais le tweeter tout de suite. Par contre, on était les. Attends. Oh, faut que j'écris ça comme ça. On était les seuls à ne pas avoir de place pour nos jambes à la track. Ah ouais, non, c'est TM Cup. Donc, moi, je vais mettre tous les hashtags. Je vais mettre TM Cup 2022. Ouais, c'est vrai sondage. Je vais faire un sondage. Oui. Non. Voilà, c'est tuté, on va voir. Donc ceux qui y étaient, hein, ils n'étaient pas passés. Donc franchement, je suis curieux. J'ai hâte de voir ce que les gens vont répondre. Enfin, écoutez, enfin, après Twitter, c'est complètement le feu. Ah, bah, il y a eu des trucs. Je garde, il y a un truc sur Le Monde. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. J'y reviendrai plus tard parce qu'il y a une dinguerie que je dois vous raconter. Et donc bah, voilà, donc il y a eu ça. Donc Bren et Carl Junior et Bren, regardez ça. Un truc dans l'écran. Bon les gars, c'était fou.
Déjà, ça me fait super plaisir de vous voir, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc ça fait plaisir. Bon, il s'est passé deux petites années en online, vous avez joué tranquille, vous êtes reposé, et puis dans ces qualifications, on a découvert un Carl Junior Bren comme rarement on l'avait vu pour tout détruire. Je vais commencer par toi, Bren. Là, on n'était plus sur le Bren qui tremblait, le Bren qui hésitait. Il y a eu une odeur également. Hein. Et la corne au pouce. Raconte-nous un petit peu ces qualifications. Vous avez tellement massacré tout le monde. Franchement, on a très très bien joué tous les deux. On est super contents de ce qu'on a fait. Ils ont roulé sur les qualifs. On est encore prêts là pour aujourd'hui. Donc on va espérer faire la même chose une deuxième fois. On verra. Incroyable. Bien sûr, Carl Junior. Carl Junior. Alors, je vais zapper. Parce qu'en fait, c'était une dinguerie. Je suis obligé de mettre un petit écran. Je fais juste ça. Voilà. Okay. Ce match était fou. Ça se passait bien avec ça. Il y avait vraiment une très très bonne ambi. Et ce match était une dinguerie. Ce match, les gars, franchement, je vous le dis, sur place, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça pour ceux qui étaient chez. Qui regardaient la cup, mais franchement, la deuxième demi-finale valait 1000 fois la finale. Parce que le niveau des joueurs était stratosphérique, il y avait eu du suspense jusqu'à la fin, c'était insane. On a tous été dégoûtés quand Bren a chuté, quand Bren a été éliminé, parce que, bah, et encore une fois, c'est le duo, comment dire, c'était les challengers, c'était les favoris, c'était ceux qui avaient remporté la dernière en présentiel à Strasbourg. Donc évidemment, tout le monde en parlait, c'était la folie. Et donc, c'était incroyable, parce que évidemment, Carl Junior qui se qualifie en premier. En plus, il y avait Skandir, il était belge. Donc en gros, moi j'étais venu avec un drapeau, avec Parkside, on était trop chaud, on secouait, on était motivé. Alors quand il a été qualifié, trop bien. Malheureusement, son binôme n'a pas été qualifié, j'arrive pas à le dire. Mais il n'a pas été qualifié, donc ça c'était la petite déception pour moi. Et puis ouais, ça pareil, je rentre dans le stade, bonjour, c'était trop bien, et ils sont repartis. Donc voilà, il y avait toujours cette bonne envie qui était cool. Et donc, voilà, Skandir qui se qualifie après. Donc c'était une dinguerie parce que on a le drapeau. On voulait absolument que Skandir passe, mais évidemment, il y avait Karl et Bren derrière. Moi, c'était soit Skandir ou soit Karl et Bren. Et bien, aucun des duos n'est passé. Grosse tristesse, mais très bien joué pour Gwen. C'était vraiment incroyable. Et donc il y a eu cette phase là, puis il y a eu ici il y a eu un plot twist, genre ici, ce moment était incroyable, genre là, Bren il fout le camp, voilà, vous entendez le bruit parce que là on se lève tous, on commence à crier, c'était la folie, on regardait la scène et en fait là, on s'en fout de tout, on regarde Bren parce qu'on veut que Bren passe. Parce que Karl, il est déjà qualifié depuis longtemps. Du coup, ça tourne. Il y a une ambiance de fou furieux. Et puis voilà, le Afi qui passe. Et Gwen qui reste derrière. Et là, on est tous comme ça. On espère qu'il y a un miracle. C'est en mode, on espère qu'il va se prendre un mur. Alors, dommage pour Afi, hein, mais là, le favori, c'est Gwen. Bah, c'est Bren. Pourquoi j'arrive pas à dire Gwen? Du coup, on est comme ça. Et en mode, est-ce qu'il va se prendre un mur ou quoi? Le suspense, c'est fou. Tout le monde se tait là. Tout le monde est là. On se tait tous. Et puis là, ça commence à chauffer. Et puis là, tout le monde crie. On est déçus. Évidemment, on est déçus pour Karl et Bren. Mais il faut bien laisser la place au suivant. Allez. Ça voilà, on n'a pas fait attention parce que là, on applaudit, on est content. D'ailleurs, j'ai mis les bracelets des deux Trackmania Cup dans le décor. Bon, je sais pas si on les voit. On a un là et il y en a un là. Ils sont tout petits, hein, ils sont loin évidemment. Mais c'est en attendant les casquettes. Parce que comme c'est peut-être la dernière Trackmania Cup, je me suis fait plaisir. J'ai pris la casquette de Strasbourg et la casquette de Bercy qui vont venir aussi ici dans le décor. C'est une Trackmania Cup pleine de surprises. C'est incroyable. Et on est pour le beau jeu, bien sûr, les joueurs qui... C'était incroyable. Donc voilà, il y a eu ça. Et alors, voilà, c'était la demi-finale était
enfin, la deuxième demi-finale, ça valait la finale. C'est quelque chose que j'ai ressenti à Strasbourg. D'ailleurs, c'est là que j'ai sacrifié ma voix. Parce qu'évidemment, j'ai trop gueulé entre tous les favoris de cette poule. C'était incroyable. Donc, je vous mens pas que j'ai remballé le drapeau. Que bon, bon, soutien le compatriote. Hein, mais bon, quand le Belge y s'en va, ben, on va pas garder le drapeau. Faut que je m'hydrate. Ah là pareil, j'ai pris deux petites boissons d'eau, ça m'a coûté 7 euros. 7 euros, deux petites boissons d'eau. Trop cher. Merci, c'est trop cher. Parce qu'évidemment, moi j'avais pas pris d'eau avec moi parce que je voulais pas que ça refasse le coup comme à Bercy. Ou à Bercy, à Strasbourg, bouteille d'eau, un tout interdit, on pouvait rien prendre, c'était trop la merde. Donc là, donc j'avais rien pris, on a racheté sur place, ça coûtait une blinde, enfin comme d'hab. Et alors, petite anecdote, attendez, vous savez ce qui s'est passé ? Donc, la première pause arrive, et là, il y a Arnaud, donc mon pote, qui me dit, je vais chercher un truc à manger. Il part, il va chercher son truc à manger. Jusque-là, il n'y a pas de problème, va chercher ton truc à manger. Vous savez ce qui s'est passé ? Attendez, je vais remettre un peu la musique. Vous savez ce qui s'est passé ? Le mec qui est rentré en collision avec Jérôme Niel. Jérôme Niel, quoi. Donc, Jérôme Niel, pour ceux qui ne se rappellent pas, Jérôme Niel, c'est ce gars. Jérôme Niel. C'est ce mec. Donc, il est parti chercher à bouffer et il a rencontré ce gars. Si je ne vous mets pas la bonne scène, ça va pas aller. Il a rencontré ce gars. Il est rentré en contact avec Jérôme Niel. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est genre, tu vas chercher à bouffer, tu tombes sur lui. Incroyable. Bah, il était sympa. Genre, ils sont rentrés en contact. Il a fait, salut. Et lui, il a fait, j'ai soif. Et il est parti. Mais il y avait tout le gratin hier, de toute façon. Il y a tout le gratin. C'était incroyable. Donc, il s'est mangé Jérôme Niel. Donc voilà. Alors, je parlais de quoi, moi ? Ouais, donc l'ambiance, j'ai emballé le drapeau, tout le tralala. Et puis, on arrive. Je m'en vais comme ça. Et puis, en fait, on arrive après à la dernière partie, la finale. Et là, il y a des connards. Franchement, je mâche pas mes mots. Il y a des connards. Franchement, ici, d'ailleurs, j'ai vu que ça a été. Où ils se sont fait cracher à la gueule. Genre, voilà, écoutez, genre là. Ici, ça roule. Et puis, ici. Chut. Là, tout le monde se tait. Enfin, ceux qui comprennent, tout le monde se tait. Et puis, il y en a qui continuent de beugler. Mais là, c'est le warm-up. Donc, on explique. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. On explique, c'est le warm-up. Ça discute, c'est bon enfant. Donc, s'il y en a qui parlent pendant le warm-up, voilà. On explique, parce qu'après il y a des accompagnants, tout ça, il y a des gens qui connaissent pas. Donc on explique. Mais tous ceux qui connaissaient, ils étaient au taquet. Ah ouais, là. Attendez, je peux pas. Et voilà. Ah voilà. Genre, là, il part, et puis il continue de parler, tout le monde se tait là. Et après, bien sûr, on peut encourager. Tout le monde se tait. Pardon. Puis il dit pardon. Parce que je crois qu'il y a un moment qui a gueulé ta gueule. Voilà, Zera s'est tu. Ah, c'est voilà, tout le monde recrie. Le premier, ensuite on ne repasse pas dans l'usine, mais là c'est un warm-up. Désolé, vous voyez, même moi j'ai pas été attentif. Ouais, même lui il a pas été attentif. Mais le truc, c'est qu'après. Genre voilà, écoutez. Il va bientôt pénétrer dans cette usine dans laquelle il faut absolument. Et voilà, et du coup on a trois connards. Il y a trois connards qui gueulent en fait dans la salle. Et ça c'est casse-couille parce que genre 15 000 personnes à Bercy qui ferment sa gueule, qui se tait. C'est incroyable, genre tout le monde est dans l'ambiance parce qu'évidemment avant d'arriver au truc on est en mode oh. Et puis hop, on rentre dans l'usine, tout le monde se tait. C'est génial. Et le calme, attends. Et puis il y a trois ou quatre connards. Il commence à gueuler en mode allez Bren, allez machin, mais genre nique pas le truc, participe et tu gueules après. Mais non, il y a toujours des gens qui sont obligés de faire les connards. Et c'est toujours comme ça. Il y a toujours un 3-4 débiles qui peuvent pas s'empêcher de fermer leur gueule.
Et je suis violent, hein. Mais je crois que c'est celle-ci où Zera il dit ta gueule. Zera il en a eu marre. Et ça s'entend, quoi. Genre, qu'est-ce que ça vous fait de vous taire pendant 30 secondes? Allez, attendez, je vous le mets. Attention, on va entrer dans cette usine. Oh, ta gueule. Mesdames et messieurs, à la fin de cette usine, c'est Afismo. 11 secondes. Donc pendant 11 secondes, ils sont pas foutus de fermer leur gueule. C'est grave quand même, 11 secondes, tu sais pas fermer ta gueule. Tu sais pas genre boucler, te la boucler et dire « Ah vas-y, je joue le jeu pendant 11 secondes, faut que tu ouvres ta gueule. » Donc évidemment, dès qu'ils se mettaient à parler, c'était « Mais putain, fermez vos gueules et foutez-nous la paix, quoi. » C'était « Foutez-nous la paix à ce niveau-là, donc c'était chiant. » Et d'ailleurs, il a fait le petit clin d'œil qui nous a bien fait rire. Qui nous a bien fait rire. Donc je pense que c'est un petit peu plus loin. Je sais pas si c'est celle-ci. Donc là il y a encore un round. Parce qu'en fait nous on espérait tous en fait qu'il se taise pour la dernière run. Pour qu'il y ait le calme complet, quoi. Pour qu'il y ait, le souvenir. Mais non. En vrai ils étaient vachement bien dans leur truc. Dans leur voiture. Attendez, ça va plus loin. Allez, on se fait une petite... Ah ouais, ils ont filmé ça. Oh, j'avais pas vu. Parce qu'évidemment, toute la salle change d'ambiance. Tout passe au rouge, tout le monde se tait. Sauf les connards. Mais l'ambiance était trop fun. Je vais regarder ça. Regardez. Il y a Affi justement, qui sont au coude à coude, qui sont en train d'entrer dans cette usine. Mais il y a Snow en embuscade juste derrière pour un petit peu prendre ses points si jamais ils entendent. Cette usine, mesdames et messieurs, voilà. Qui pour l'instant est dominée par Gwen. Bon, alors, après, évidemment, il y avait ceux qui buglaient, puis après, il y avait ceux qui disaient « ferme ta gueule », donc évidemment, il n'y a jamais eu de silence. Mais c'est quand même impressionnant que presque 15 000 personnes se taisent. Donc c'était plutôt impressionnant. Puis je crois que Zerator va le dire ici, qu'il était plutôt impressionné que tout le monde ait joué le jeu, ou presque. Parfait. Eh bien écoutez, c'était la dernière run sur Chica Dramboisine Enfer. Vous avez été super, le public, sauf 2-3 abrutis. Vous pouvez vous applaudir. Super, sauf 2-3 abrutis. Et ça vient du fond du cœur. Attends, 15 000. Hein. 15 000, il y a forcément... voilà, au bout d'un moment, c'est comme ça. Non, mais vous avez été très bien. Moi, je trouve que vous avez été très bien. On ne s'attendait pas à ce que ça ait autant de succès. Alors, vous voyez ce qui se passe derrière moi. Vous voyez ce qui se passe derrière moi. Ah, puis là, c'est vrai, il avait construit le circuit. Alors, le circuit... J'ai très peu suivi, parce qu'évidemment, le circuit... nous, on est loin des écrans, on n'a pas trop vu. Donc, du coup, je vais... Ah oui, la map mystère qui était sympa. Gwen a roulé dessus. Je regarde un coup le circuit. Ah ouais. Donc en vrai, on voyait quand même un petit peu, mais pour le live, c'était pas mal. Ah ouais, et Léola. Léola, elle partait toujours. Je sais pas si. Ouais, Léola. Ah ouais, ça rend bien. Ça rend bien en live en vrai. C'était impressionnant. C'était vraiment cool. Je regarde un coup. Je laisse continuer. Et on continuait, hein. Genre, s'ils nous disaient pas d'arrêter, on continuait. Hein. C'était une dinguerie. Ouais, nous, on était là, nous. On était là. Allez-y, hop, elle partait. Donc, ouais, nous, on était ici. Ouais, là. Puis hop, ça tourne. C'était beaucoup trop cool. Et ça tourne. Et puis surtout, quand on faisait les deux, là, ça, c'était trop marrant. Parce que, il y a un moment où. Ou je sais pas s'il va le faire ici, je pense pas. Vous êtes prêts ici ? Attention ! Stop ! Oh, je crois qu'il va le faire. On refait la double ? Ah ouais, la double, voilà, c'est ça. Donc il le fait. Il refait la double. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, au moment où ça se croise, il faut qu'on soit hyper synchronisé pour relancer là-haut là en fait. Et on se croise ! Ouais, ok. Ouais, donc il y a toujours un petit flop dans cette zone là en fait. Parce qu'en fait, le truc c'est que. On descendait, donc on faisait là, voilà, on descendait, et puis on attendait, et puis on le refaisait, parce qu'il fallait que ça croise, évidemment. Il fallait qu'il y ait l'onde qui passe. Donc il y avait toujours un petit truc, mais on le voyait, on le ressentait pas trop quand nous, on était dans les gradins. On le ressentait pas trop quand on était dans les gradins, mais chaque fois, ça partait du même endroit, là-haut, là, et ça faisait tout le tour. Il y avait un groupe qui était surmotivé, ça tournait. Donc c'était trop bien. En plus, moi, le truc qui m'impressionne surtout, c'est que les mecs qui sont tout en haut,
Ils voient pas spécialement les mecs tout en bas. Mais c'était hyper synchronisé, ça partait quoi. Donc c'était beaucoup trop cool. C'était beaucoup trop cool. La synchronisation était incroyable. Et puis bah du coup il y a eu la finale où on se doutait bien que ça allait passer. Parce qu'ils ont défoncé le match en fait. Ils ont défoncé le match. Afi qui se qualifie et puis Gwen après. Bon, on avait compris. Alors sa gueule hein. Donc évidemment. Sa gueule, on est hyper content pour eux, mais on a quand même ce petit, enfin moi, en tout cas moi c'est ce que je garde en, c'était pas une déception parce que c'était une finale, ils sont meilleurs, ils ont surclassé tout le monde et ils le méritent, mais le truc c'est que bah j'ai trouvé que en fait la deuxième demi-finale pour moi ressemblait plus à une finale que la finale qu'on a eue. C'était génial, ils ont gagné, je suis trop content pour eux et bien joué à eux. C'était insane et puis voilà. Wow. Attendez, je regarde un coup. Je regarde un coup. Attendez, je veux juste regarder ce qui a été filmé. Ouais, donc ça c'est la. Ouais. Et ça c'est quoi? Ah ouais, non, il y a le portique, donc c'est pas mon côté. Ouais, je veux voir si j'apparais pas un petit coup comme ça au pif. Donc voilà, ils sont contents. C'est le feu. Alors et après voilà, et après il y a eu la coupe. Elle est où la coupe? Ça, je veux le voir en live. Ah ouais, parce que moi j'étais loin du coup. Il y avait quasiment 15 000 personnes. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer, que devant près de 200 000 viewers, Afi et Gwen soulèvent leur premier titre. C'était beaucoup trop cool. Alors les canons, ils m'ont fait sursauter de fou. Et je me dis, ouais, les canons, confettis. Oui, elle est lourde, cette cup. Le bruit que ça fait, c'était sursaut de pro. Puis après, on a vu les joueurs arriver. Pour les féliciter, c'était incroyable. L'ambiance était folle. Ça, franchement, je suis ému de revoir tout ça. Parce que pour moi, c'est la meilleure... La meilleure Trackmania Cup en présentiel. C'est l'apothéose. Vraiment l'apothéose. Quel jeu. À juste titre, c'est Bercy. Quel talent. Quelle équipe. Ils étaient 16 sur ces deux demi et maintenant. Et est stylée la coupe. Hein. Franchement, la coupe est stylée. Très très belle coupe. Waouh. Vous reviendrez. Il dit vous reviendrez. Hein, donc en vrai, bon. Ça se passera peut-être. On verra ce qui se passera. Mais il y a ce petit moment d'émotion quand il dit qu'il a fait le tour, etc. Est arrivé à son apogée. Donc voilà. Son bouquet final. Donc c'était un super au revoir. Merci beaucoup. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il en a fini avec la Trackmania Cup? Donc est-ce qu'on aura plus de Trackmania Cup ou est-ce qu'on aura un nouveau format? Parce qu'il dit que voilà, c'est pas la fin des événements, c'est pas la fin de Trackmania. Donc, est-ce qu'il n'y aura plus du tout d'événements Trackmania Cup ou est-ce qu'il va faire autre chose? Moi, je suis curieux parce que j'ai l'impression que la Trackmania Cup, c'est le truc qui fédère et rallie tout le monde pour créer ce type d'événement. Alors, il y a d'autres, il fait d'autres jeux, il y a d'autres. Moi, je ne suis pas fan des autres jeux qu'il fait. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer pour la suite, quoi. Ça va être très très lourd. Quoi de mieux que de l'avoir fait? Ça va être très très lourd. Vraiment, je suis super ému. Vous m'avez vu entrer dans la salle. C'était incroyable de tous vous voir. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu les bracelets verts? Un petit peu. Ouais, ça que je vois tous les gens qui sont. Alors là. D'ailleurs, j'ai vu un truc de fou furieux. Faut que je vous. Attendez, je vais vous retrouver. C'est sur Facebook. Attendez. C'est sur le Nurshid Zerator. Alors, non. Ah ouais, voilà. Je vous ai retrouvé. Je vais afficher. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Genre, regardez. Des connards. Enfin, c'est raclure de bidet. Oui, je sais l'expression. Genre, regardez ça. Donc, ils ont le bon coin. Accueil, montre et bijoux, Île-de-France, Paris, un bracelet ZRT Trackmania Cup.
Genre, bracelet ZRT Trackmania Cup, genre 10 euros. Les mecs, ils les vendent 10 balles. 10 balles. Bracelet distribué aux spectateurs de la Trackmania Cup. Genre, il y en a, il paraît qu'il y en a qui n'en ont pas. Alors, nous, on est venus au début, donc on en avait. Mais il y en a, genre, on voit que c'est un spectateur qui est assis. Il en a chopé la blinde. Genre, mec, t'as pas de race de faire ça, quoi. Pourquoi tu te permets, genre, de voler? Alors, je sais pas si tu les as volés, peut-être qu'on te les a donnés, mais pourquoi t'as autant de bracelets et il y en a qui en ont pas eu, genre. Mec, c'est dégueulasse. Genre, fais pas ça, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu prends pas, tu fais pas ça. Fais pas ça. Donc voilà, c'est un petit peu le truc un peu dégueulasse. Mais alors, il faut que je vous montre un truc. Il faut que je vous montre un truc. Ma magnifique chaîne YouTube. Historique. Vous allez voir un petit peu tout ce que je regarde. Hein, voilà. Regardez cette dinguerie. Je vous mets en full écran. Oh, ok. Le truc du Parisien. On a réussi à avoir une bonne transition, mais Wozil n'est pas en... Trackmania Cup, c'est... des pilotes sur un circuit que je construis moi-même. C'est des voitures qui ressemblent à des Formule 1, mais en réalité... Je mettrai sur pause au moment où ça m'intéresse. Jouets, parce qu'elles font des loopings, des sauts... Et c'est un jeu très simple à suivre, puisqu'à la fin, c'est toujours celui qui franchit la ligne d'arrivée qui gagne le plus de points par rapport aux autres. Au départ, on disait on est déjà bien content de faire 2500 places à Paris, c'est incroyable. Et puis, quand on a fait 3000 à Lyon, 4000 à Toulouse, 8000 à Strasbourg, on s'est dit bon, la prochaine étape, est-ce qu'on retournerait pas à Paris? Et on s'est dit si on retourne à Paris, on pense qu'on peut faire mieux qu'un Zénith, on a quasiment doublé. Et on s'est dit bah voilà, Paris tenu. Et le soir où on a annoncé, on a vendu 12 000 places, donc en 20 minutes. Et là, on s'est dit ah ouais, il y a vraiment un truc, sachant qu'on parle de tout ça, c'était en 2019. Donc aujourd'hui, peut-être que ce serait encore pire, enfin encore mieux. C'est un fou. Putain de rêve d'être ici. Voir ça, c'est on génial. On va essayer d'aller en finale. On est prêt. On se chauffer, commencer à prendre quelques points. Et puis au fur et à mesure du temps. Bah voilà. Et du coup, ils font le récap. Et puis, il faut que je. Enfin, c'est la dinguerie. Genre, là. Là. Attendez. On va rebobiner un petit peu. On va repasser l'extrait. Et du coup, c'est ainsi. Voilà. Alors. Peut-être ça vous dit rien, mais moi ça me dit bien, parce que là, je reviens un petit peu en arrière. Je reviens un petit peu. Regardez, je suis là. Ouais, ça c'est mon crâne, ça. C'est mon crâne, c'est ma main. Là, on voit mon oreille, on reconnaît hein, les gros biceps, j'applaudis, voilà. Donc, il y a juste la tête dessus. Si lui n'était pas là, on me verrait dans le truc du Parisien. Mais donc, pour en revenir... Je tombe sur le truc complètement par hasard, en fait. Et donc, je vois QuarkSize, donc sa chaîne, évidemment, est en lien sur ma chaîne Twitch. QuarkSize est là. Genre, je regarde le truc et puis je dis, mais putain, je le connais, ce con. C'est le mec avec qui j'étais à Paris pendant 2 jours. Et donc, voilà, QuarkSize qui passe dans le Parisien. Parce qu'en fait, j'avais vu descendre le gars. Le gars était descendu. Et je regardais ce qu'il faisait. Je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Il faisait des prises de vue, des images et compagnie. Et puis, moi, je suis là pour regarder la Trackmania Cup. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je continue de regarder. Et puis, il se passe ce truc. Et le gars, je l'oublie complètement. Le mec, écoute, je regarde là, mais le mec, je l'oublie complètement. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il se passait un truc intéressant. Parce que, évidemment, si tout le monde est comme ça, c'est qu'il vient de se passer une dinguerie. Je ne me rappelle plus la dinguerie, mais voilà. Et donc, le mec, en fait, a filmé Quark. Le mec a filmé QuarkSize. Moi, écoutez, je trouve ça génial. Il a filmé QuarkSize. Donc tout à l'heure, en rentrant chez moi, évidemment, je me remate les meilleurs extraits, ça, et puis je tombe là-dessus. C'est incroyable. Là, on voit ma montre ici, celle-ci, qui a tenu le coup, qui a presque plus de batterie d'ailleurs, qu'il faut que j'aille recharger. Mais ouais, non, c'est une dinguerie. Genre, ouais, c'est ça qu'on voit en fait à l'image, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Oh non ! C'est exactement ça. Donc voilà, c'était... Enfin, donc j'ai l'honneur de vous annoncer que devant près de 200 000 viewers à Figuen soulève leur premier titre. C'était incroyable. C'est l'un des moments les plus importants de notre vie, je pense. Donc clairement, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai jamais fait de scène de ma vie, donc c'est la première pour moi.
Gwen, quant à lui, bah, il en a déjà fait une à Strasbourg où j'étais en spectateur. Donc j'ai vu Gwen sur scène à Strasbourg devant 7000 personnes à peu près. Ouais, Quarkside, dans le Parisien. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc voilà. Merci à tous d'avoir. Alors, attendez que je regarde un coup. Attendez, parce que ça, c'est. Il y a peut-être moyen. C'était de l'autre côté, ça ? Je ne sais plus. Je regarde, on ne sait jamais hein, que je pourrais me spotted, hein, mais non. Non, je ne paraîtrai pas dans le Parisien. Voilà. Bah, écoutez, donc voilà, c'est ce qui conclut ce petit débrief de la Team Cup. Très heureux d'y avoir participé, d'avoir peut-être fait la dernière Trackmania Cup. Ça reste dans mon cœur. Je trouve que, clairement, ce que Zerator a fait autour de avec sa communauté, avec ses trucs, avec ses amis, avec ses aides, ça a ramené un truc fort qui rallie beaucoup de communautés francophones. Parce que quand on voit les participants qui viennent du Canada, qui viennent de Suisse, qui viennent un peu partout, les gens qui viennent voir, parce qu'il y avait des Belges, des Français, des Suisses à mon avis. Donc beaucoup de gens, tout le monde a son t-shirt, soit de la Carmine pour supporter Bren, des trucs de Solari, des trucs du The Event, tout le monde avait un truc Trackmania, The Event, c'était un truc de fou. Et c'est là qu'en fait, c'est dans ce genre d'événement qu'on peut en fait voir à quoi on peut voir qu'on fait vraiment partie d'un groupe incroyable, on fait partie d'un tout qui est soudé. On fait partie de la même communauté, la communauté de Zerator. Et je pense que c'est quand ils remplissent ce genre de trucs, ils se rendent compte à quel point les gens aiment le suivre, ils sont intéressants. Et c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Et j'espère pouvoir encore, que je pourrai encore participer à ce genre d'événement. Peut-être, pourquoi pas un jour, si je me traîne, participer en tant que joueur. Jamais, hein, jamais. Mais voilà, j'espère pouvoir un jour revivre ce genre d'événement parce que j'ai pas fait beaucoup de concerts, mais je pense que c'est le genre d'événement où bah, c'est vraiment un spectacle, quoi. C'est fait vraiment pour que ce soit un spectacle de fou furieux, et je pense pas que je ressentirais ce genre de truc en regardant une compétition comme sur League of Legends ou autre, parce que les maps de Zerator sont fucking bon dures, c'est trop 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 galère. Mais vraiment, ça permet de faire ce genre d'event et ça, c'est indescriptible. Donc, je suis très heureux d'avoir fait Strasbourg. Je suis très heureux d'avoir fait Bercy. Bercy, c'était la première fois que j'y allais. C'était un truc de malade. Surtout qu'en fait, quand vous rentrez dans la salle et que vous voyez la scène et qu'il n'y a encore personne, enfin, ou presque personne, et vous avez ce truc énorme, large, en cercle avec la scène au milieu, et tu es là en mode, ah ouais, d'accord, ok. Donc ça, ça va être un truc de dingue, quoi. Ça va être un truc de dingue. Et ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. C'était fou. C'était complètement fou. Donc voilà. Donc cela étant dit, les amis, moi je vais vous laisser là. Je vais vous remettre l'intro du commencement qui est pour moi genre imbattable. C'est insane. Donc je vous la remets un coup. Moi je vous dis à peut-être à demain pour un live. Là je vais me coucher. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir peut-être revu cette rediff et d'avoir commenté. C'est un truc de dingue. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, pour discuter un petit peu. Mettez en commentaire, n'hésitez pas. Et pour là-bas, moi, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de soirée. Ciao, les gars.